experts qui sont ici présents. Aujourd'hui, on se réunit alors que le rapport du GIEC, il y a quelques jours, il a tiré la sonnette d'alarme sur l'impact que pourrait avoir une élévation de température par rapport au niveau pré-industriel d'1,5 degré. Les impacts sont réellement alarmants, des impacts aussi bien sur la biodiversité que sur les écosystèmes, que sur le bien-être humain. Aujourd'hui, nous sommes réellement face à une problématique qui nécessite une action conjuguée dans une ambiance collégiale, bien évidemment, pour qu'on puisse faire face à une telle élévation de température. Donc, les solutions qui sont basées sur les services des écosystèmes, ils paraissent aujourd'hui des solutions très viables et durables. Une meilleure prise en compte des services écosystémiques des différents écosystèmes de la planète, des zones humides, des zones côtières, des montagnes, des forêts, etc. Donc, ce sont des solutions très efficaces pour la séquestration du carbone et pour l'adaptation face aux élévations des températures. On commence depuis quelque temps à parler de l'approche écosystémique et de son rôle donc, dans l'adaptation face au changement climatique. Et réellement, maintenant, on a besoin d'une véritable conscience, d'une véritable prise en compte, tant sur le plan politique que juridique, pour que ces écosystèmes soient mieux conservés pour une meilleure adaptation au changement climatique. J'espère que lors de notre side event, on pourrait négocier, on pourrait échanger des idées, des réflexions, des concepts peut-être pour donc mettre au concret ces solutions basées sur les écosystèmes. Et sans trop tarder, je vous souhaite une bonne réunion et j'espère que les conclusions et vos recommandations nous soient très utiles pour les prochaines phases donc de la mise en œuvre des solutions basées sur la nature. Et je vous remercie. Merci, c'est Mohamed Ali. Je passe la parole à M. El-Kébir Alaoui, qui est représentant résident adjoint au programme des Nations Unies pour le développement. Merci. Bonjour, chers participants. Encore un grand plaisir d'être parmi vous et dans ce moment de partage que je tiens à féliciter les organisateurs, le UNSDR, la Ligue arabe et l'Union africaine, ainsi évidemment que le pays hôte, la Tunisie, qui nous offre cette occasion de discuter, de débattre sur un sujet des plus cruciaux que le monde connaît. Les catastrophes nous entourent, comme je disais juste hier lors d'un side event. La première des choses qu'on entend dans les news et quand on ouvre sa radio, sa télé, c'est le nombre de morts et de catastrophes, malheureusement, qui nous entourent dans le monde. Je tiens évidemment à féliciter, à remercier IUCN qui partage avec nous l'organisation de cet événement important et surtout à remercier, féliciter toute l'équipe du ministère et celle du PNUD qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de ces événements une réussite et un espace d'échange. Bien évidemment, je ne suis que le porte-parole d'une équipe d'experts qui sont là dans la salle et qui vont en fait donner un peu plus de détails sur ce qui se fait et les présentations qui vont aller dans le détail. Je voulais juste profiter de ce moment, peut-être partager quelques réflexions que les collègues ont voulu en fait mettre au début pour stimuler la réflexion de ce débat. Rappelez que dans l'histoire du monde, dans l'ère industrielle, où l'homme s'est aiguisé en outils, en capacité
à défier la nature, à avoir ce pouvoir d'aller au-delà de la nature et à profiter des ressources et des écosystèmes pour plus de production et plus de pouvoir. Et c'est l'ère qu'on appelle de l'ingénierie et des ingénieurs qui ont évidemment pris une grande force dans le monde en créant, évidemment en transformant le monde et en proposant également des solutions miraculeuses. C'est grâce à ces ingénieurs, ces médecins, ces spécialistes qu'on a découvert des solutions miraculeuses pour que le monde puisse continuer et être plus fort que jamais. Malheureusement, en fait, et peut-être heureusement, à un moment où on ne savait pas comment réduire à la fois les grands flux d'eau et nourrir en eau potable les populations et les cheptels, on a fait très vite appel aux barrages. Et le monde s'est mis à bétonner, malheureusement, beaucoup de ces zones naturelles sous, évidemment, le prétexte de rendre plus disponible de l'eau potable et réduire les impacts des flux d'eau qui dépassaient des fois, évidemment, les normes. Nous voyons qu'aujourd'hui, effectivement, c'est grâce au barrage que l'agriculture a pu prendre forme, s'industrialiser. C'est grâce au barrage qu'on a évité, en fait, et on a protégé des vies. Mais nous voyons aujourd'hui que ces systèmes ont malheureusement des limites quand ils se mettent contre la nature et à contre-courant de la nature. Évidemment, la force de l'ingénierie a été fortement appuyée, acceptée par les systèmes politiques. Ceux qui ont évidemment des mandats court-termistes et qui veulent montrer l'impact très vite. Et très vite, le béton a pris le dessus sur la nature. Et nous remarquons combien les villes ont pris de l'ampleur, combien le béton devient, ou le système ingénieur devient plus fort que la nature. Je pense que personne ne peut aujourd'hui nier ou oublier les catastrophes qu'on vit et que malheureusement des fois parce que on se fait contre nature. J'ai pu voir des exemples frappants de voir au fait les promoteurs fonciers vouloir s'installer partout et construire des villes et des maisons. Et l'un des exemples, j'ai essayé de trouver des photos, malheureusement on n'en a pas trouvé, où en fait, un conseil de ville voulait très vite donner, je ne voudrais pas citer le nom de la ville, ni évidemment les conseillers de cette ville qui ont pris cette décision, mais qui était au départ une décision de bonne volonté de trouver de l'habitat social. Évidemment, l'habitat social, on cherche du foncier d'abord municipal et le moins cher. Alors on s'est dit, on va construire dans un courant dunaire. C'est dans une zone désertique. Bon, évidemment, les ingénieurs disaient, oui, mais les dunes de sable, on pourrait les stopper. Il y a des mécanismes, il y a des systèmes, et donc un mur de béton s'est érigé. On voyait que la dune dépassait le mur, le premier mur, et on a fait un deuxième beaucoup plus haut. On dit oui, et on continue le travail. En 6 mois, on était au troisième étage. Les constructions étaient totalement ensevelies de sable. Juste à côté de ce chantier, il y avait un barrage qui a été choisi dans le même territoire, dans un courant dunaire. Aujourd'hui, ce barrage est déficitaire, en fait, est un port dans un courant dunaire. Ce port est déficitaire, on paye beaucoup plus à faire du dragage que de recevoir des recettes, des bateaux et des barques qui passent. Donc, contrecarrer la nature, malheureusement, est impossible. On a vu les grands chantiers, j'étais en train de m'éduquer sur les mots techniques, l'enrochement au niveau côtier. Et malheureusement, après un tsunami, on n'arrive pas à stopper tout ça. Malgré les grands ouvrages de stopper et de faire face à la nature, on n'arrive pas à le faire. Donc d'où une prise de conscience aujourd'hui qui prend sa forme, ou une reprise de conscience,
parce que je vais revenir au fait encore à l'histoire où nos ancêtres étaient assez ingénieux pour créer des mécanismes qui vivent en harmonie avec la nature. Pour le cas de la Tunisie, nous avons les Ramli, et ce système ingénieux que nos ancêtres ont créé pour vivre avec au flot de la marée et de profiter pour créer des systèmes de culture respectueux de l'environnement. Nous, dans la région arabe, tous ceux qui sont du monde arabe connaissent le mot l'ouahat et les oasis, qui est une invention ingénieuse de l'être humain, mais qui s'est fait en harmonie avec la nature, grâce aux oasis et au système ingénieux de mobilisation de l'eau à travers les mots diffèrent d'un pays à l'autre. Ce système ingénieux, les khattara, pour infiltrer l'eau et les mettre dans des systèmes d'ailleurs sans énergie, zéro énergie, à les accumuler, à les garder pour que l'on puisse à la fois créer les palmiers, qui étaient la plante miraculeuse qui résiste au désert, sous laquelle on a pu mettre de l'olivier ou le grenadier, et par la suite on a pu créer des cultures qui deviennent aujourd'hui un milieu de vie extraordinaire, un barrage qui protège contre l'ensablement et la désertification. C'est une leçon d'un bon mariage et d'un bon respect de l'ingénierie, et de la nature, au respect de la nature. Malheureusement, encore une fois, ces systèmes se trouvent devant ce que j'appelle très souvent ce business model court-termiste du gain rapide. On veut gagner et très vite. On a vu dans beaucoup des oasis l'introduction du pompage électrique ou par système en fait mécanique, où très vite on a commencé à dépasser les capacités des khtara et des nappes phréatiques à mobiliser. On a commencé à pomper évidemment du sel, in fine, du sel qu'on va mettre sur du sol qui devient infertile, évidemment une destruction immédiate de ces écosystèmes. On a vu également les business models court-termistes à vouloir planter des villes, à vouloir bétonner, et encore une fois, on détruit des écosystèmes naturels. Nous avons les modèles des systèmes de restauration d'écosystèmes qui protègent à la fois doublement gagnant des bassins versants. On remet la nature en marche, on lui redonne la force, et c'est avec ça qu'on évite l'érosion du sable et qu'on stabilise les sols. Donc autant d'exemples que la nature nous donne, et surtout, et malheureusement, la nature nous réveille et nous rappelle qu'elle dépasse les forces de l'ingénierie, qu'elle peut dépasser le béton et que nous devons la respecter. La respecter est très gagnant à la fois pour un développement durable, à la fois pour un meilleur gain et un équilibre, pour que l'humanité vive avec la planète, mais également pour assurer l'avenir des générations futures. C'est encore une fois l'objet même de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Quand on revoit le document agenda 2030 et ses principes, ce sont là les principes les plus importants. Je voudrais in fine terminer par le fait que, encore une fois, c'est un rappel qu'on va essayer de... qui sera un sujet transversal. Ce sont toujours les plus vulnérables et les plus pauvres qui vivent de la nature, qui vivent immédiatement de la nature et qui vivent dans les zones les plus vulnérables au niveau des systèmes et des écosystèmes. Donc les oublier est une catastrophe de plus qui va être une catastrophe, au-delà de la catastrophe naturelle, une catastrophe humaine. Leur donner la voie, leur donner l'espace est une obligation. C'est encore une fois le cœur même de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Je souhaite plein succès à vos travaux, et comme ça a été dit, il n'est pas facile aujourd'hui de contrecarrer l'industrialisation, les nouvelles technologies, mais il faudrait rappeler que les solutions peuvent se trouver en faisant ce bon mariage d'équilibre et d'harmonie entre l'être humain, l'ingénierie et la nature. Merci pour votre attention.
passons maintenant la parole à Madame Samartha. Good morning, everyone. It's a pleasure to welcome you here in our joint event with our partners in UNDP on nature-based solution as a better solution for disaster risk management. My name is Samar Taha. I'm the program manager for Dryland, Gender and Livelihood in the International Union for Conservation of Nature. I work in the West Asia office based in Jordan, Amman. Although the field of disaster risk management has recognized, has evolved to recognize the need for sustainable development as part of disaster risk reduction, on reality on the ground, environmental aspects are not yet implemented within the disaster risk reduction agenda. And there's a lot to be done on the guidance, on the practical guidance for this. And the case that we're trying to make this morning is that investments in nature-based solutions are cost-effective solutions to reducing the vulnerabilities of the communities, also for creating livelihood benefits for the communities, and to provide nature buffers and protective barriers to the hazardous events. This morning, we will be overviewing the rationale of nature-based solutions. We will talk about best practices in nature-based solutions regarding disaster risk management, and we will conclude with policy recommendations. So I hope that you will find this event both enjoyable and informative, and that you will engage with us with your inputs so that we can have them as recommendation to the organizers. Thank you very much. Merci beaucoup, Samar. Merci, Monsieur Arawi. Monsieur Betmesek. Nous allons donc immédiatement passer aux travaux de ce side event. Ce side event, il a comme objectif donc de préserver l'intérêt des solutions fondées sur la nature. Ou solutions basées sur la nature pour une meilleure réduction des risques de catastrophe. Le second objectif, c'est de partager les meilleures pratiques concernant la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. Et enfin, élaborer des recommandations sur l'intégration des solutions fondées sur la nature pour une meilleure résilience face aux risques. Donc, les solutions basées sur la nature, solutions où se mêle l'ingénierie, où se mêle l'ingéniosité des acteurs, une ingéniosité soit héritée des traditions et héritée des usages ancestraux, auxquels sont mêlés également les scientifiques et puis également l'administration, pour travailler conjointement, en synergie, afin de d'œuvrer par et pour la nature, en s'inspirant de la nature, en utilisant des solutions douces, inspirées de la nature, pour assurer donc sa conservation, mais également pour assurer la pérennité d'une économie durable, d'une exploitation durable des ressources naturelles. Pour ce faire, nous avons donc trois présentations qui seront effectuées successivement par Madame Samar Taha, qui est chargée de programme pour les zones arides, des moyens de subsistance et pour le genre, à l'Union internationale pour la conservation de la nature, dans l'Asie de l'Ouest. Ensuite, nous aurons donc une présentation sur les écosystèmes des marées et la résilience socio-écologique en Irak, présentée par M. Adel Riahi, qui est ingénieur au ministère chargé du plan et président donc, de la commission des experts au sein de ce ministère.
Et enfin, la troisième présentation portera sur les bonnes pratiques en matière d'utilisation de solutions fondées sur la nature et les résultats et les principaux, le contenu donc du projet Résilience côtière en Tunisie, porté conjointement par l'Agence de protection et d'aménagement du littoral et par le PNUD. Monsieur Adel Abdoul est coordinateur national du projet Résilience côtière face aux effets des changements climatiques et il travaille à l'Agence de protection et d'aménagement du littoral. Chaque présentation durera une vingtaine de minutes. Donc, il est prévu que ce side event finisse à 12h15 concernant les présentations. Et puis, nous aurons 15 minutes donc, de discussion. Et nous essaierons de faire découler de ces travaux des recommandations pertinentes afin que ce processus, encore peut-être encore un peu flou chez les uns et les autres, puisse contribuer donc à une meilleure conservation et à un développement durable dans nos espaces naturels et dans nos espaces humains de manière plus générale. Sans plus tarder, je passe la parole donc à Madame Samar Taha. So, good morning again. I'll be just highlighting. Thank you. In my presentation, I'll be highlighting IUCN's vision for nature-based solution as part of eco-DRR approaches. Allow me first to start to present IUCN for members of the audience who haven't worked with us. IUCN was created in 1948, so we're celebrating our 70th anniversary this year. And ever since, it has evolved to be one of the largest and most diverse environmental networks. We harness the experience and resources of 1,300 member organizations from governments and non-governmental organizations. We also have the input of around 13,000 experts all over the world, organized in 6 commissions on policies, on species survival, protected areas, education, communication, and ecosystem management. So IUCN is a world authority on the nature status, and we have a lot of say on the safeguards of natural resources. Through their affiliation to IUCN, our members can be part of a democratic process that helps them formalize the conservation agenda for every 4 years. They meet in the World Conservation Congress held by IUCN.
To start, I thought it's better to identify the definitions. So nature-based solutions are the actions to protect, manage, and restore natural or modified ecosystems which address societal challenges effectively and adaptively, providing human well-being and biodiversity benefits. So this definition was articulated from our practical experience in IUCN, and the concept is a practice-based approach. So it was launched by our members in the last Congress in 2016 in Hawaii. And the societal challenges that we talk about in the definitions are include climate change impacts, food security, water security, human health, and economic and social prosperity. So all of these challenges, in a way or another, are integrated in the Sustainable Development Goals. So for example, if you look at Sustainable Development Goal number 2 on zero hunger, this can be done by working with sustainable food production systems. And if we look into the nature-based solution as an umbrella concept that embraces a lot of ecological related approaches, you can look into approaches such as ecosystem restoration, forest land restoration, ecological engineering, other issue specific concepts like ecosystem-based mitigation and ecosystem-based adaptation, infrastructure-related approaches like green infrastructure and natural infrastructure, ecosystem-related management systems like integrated water management systems and integrated coastal management systems, and the list goes on. So it's a comprehensive concept for all of these ecosystem-based approaches. And to define eco-DRR, or ecosystem-based disaster risk reduction, this concept has evolved from the practice and the need for involving environmental aspects into the disaster risk reduction efforts. And the Partnership for Environment and Disaster Risk Reduction defines eco-DRR as sustainable management, conservation, and restoration of ecosystems to provide the services that reduce disaster risk by mitigating hazards and by increasing the livelihood resilience. So if we deconstruct this definition and look into the ideas that it's trying to promote, we are looking into sustainable management, so to manage sustainably dry lands is to build resilience against droughts. Also, the conservation of intact ecosystems is very important, like the protection of the protected areas in face of typhoons and in face of hurricanes. Also, the restoration of wetlands for food production, for wetland for flood protection is very important basis of eco-DRR. And to move on to the recommendation parts, it's very important when we make the case for disaster risk, for ecosystem based approaches, it's very important to scale it up and to look into the policies. So
not just the policies like EcoDR, our policies, but we have to look into climate change policies. We have to look into multiple sectors, so to look into agricultural sector, water sector, environmental sector, infrastructure. And it's very important to engage all policymakers right from the start and constantly as we go to ensure policy influencing. So, and it's also important to raise the awareness of policymakers through training and site visits and adult learning. And this should be within a cross-sectorial dialogue platform. Also, we have to document the science evidence supporting EcoDRR and supporting nature-based solutions within disaster risk management, and to build the capacities of those who are working within the field. And we should be trying to work to set up a governance system that promotes EcoDRR. Now, we know that investments in nature-based solutions are a no-regret investment because of its multiple benefits, regardless of the occurrence of any disaster. But it's also important to document the links between biodiversity conservation and disaster risk reduction. So IUCN has worked on Relief Kit, which is a resilience through investing in ecosystem knowledge, innovation, and transformation of risk management. This is a project funded by Japan Biodiversity Fund. And this has worked with informing the policies of integrated approaches. We worked on regional capacity development, and we worked on assessment of vulnerabilities. So, and moving on to our practical experience in applying nature-based solutions to EcoDRR, I will present two examples, one from Africa and another from the Arab region. The first is Ecosystem Protecting Infrastructure and Communities, EPIC project. And this project talks about the climate change adaptation. It tries to reduce the vulnerabilities and understand the vulnerabilities of communities in six countries: in Chile, Thailand, China, Burkina Faso, and in Senegal and China. And we tried to do this through documenting scientific evidence and knowledge, through understanding vulnerabilities and trying to work with the best practices and to inform the policies for effective integration of disaster risk management with environmental management. And we do all of this within a multi-stakeholder dialogue. So in Senegal, we worked with communities to reduce their vulnerabilities to climate change and to restore arable lands that were degraded due to salinization floods and droughts. And we started with identifying the vulnerabilities, looking into the priorities and identifying the solutions and the best practices that could be implemented, and then informing the policies of the best effective integration between disaster risk management and environmental management and ecosystem management. So regardless of the differences between the countries, we learned that
the success factors are all the same. So, and you can relate to it in any other project. So participatory approach and giving voices to the people is very important, is a key component for success of the project. Building on partnerships that we have and creating other partnerships was very important for the success. Integrating livelihood improvement strategies was very important. And if you're working on a long-term project, then you have to adopt an adaptive management approach where you incorporate learning and community interests. The other example is HERD project, and this project, Healthy Ecosystem for Rangeland Development, is a part of a big concept that we are trying to upscale regionally and globally, but we're starting with Jordan and Egypt. And it's based on our work in Hima. And Hima, for those who doesn't know it, is a traditional, long-standing system of sustainable rangeland management that was abandoned for the last century because of nationalization of common lands. So what IUCN has started to do is to give the people back their rights to the lands and to build partnerships between government and the local community, document the traditional knowledge in this regard and work with communities. And we had a very big success in implementing HIMA, as it's a very acceptable concept for the local communities. And in HERD, we are trying to upscale this. We're trying to upscale sustainable rangeland management and set up governance system for on a landscape scale. So in HERD, we look at rangeland as social ecological landscapes. So the health of the rangeland is very much related to the services it provides and the benefits it provides to the society. I added this slide because I always see that rangeland is one of the most underestimated ecosystems all over. So it's not just rangelands is not just for fodder production. Yes, it provides food security, meat and dairy products, but it's also a rich bank of biodiversity, if you will. It's very important for economic growth and poverty reduction for vulnerable communities. It helps to maintain hydrological cycles, disaster risk reduction and flooding. It helps in carbon sequestration, so it's a climate change mitigation measure, and it helps in climate change adaptation. And if we talk about scaling up nature-based solutions, we have to look into standardizing this concept. And at the start, at the very basic, we look at nature-based solution as use of nature as a solution for societal challenges. And the key word here is use. How do you use it? And that's what we need to standardize. And this is not just important for quality assurance, it's also important for to safeguard the nature from over-exploitation, because the different people view the concept differently. So we need to have a common language, a common understanding. And we need, while we're drafting this, we need to engage different stakeholders to get their input on what nature-based solutions means to them. So, and as the demand for nature-based solutions increase, we need to have common grounds on where we stand on nature-based solutions. And it's important to know that standards are
incentive for many projects to get in board. So we are hoping that the standards that we are working on will be applied across sectors and in different situations, and will help guide policies. And it will help us in implementation, certainly in implementation with the private sector, because IUCN have a global program on biodiversity and business where we engage with businesses that have good track record, good environmental track record, to conserve conserve biodiversity. So it's good while you are interacting with private sector, it's good to have common ground and common understanding on what nature-based solutions are. So the standards that are being formulated have seven criteria on the outcomes and the on the practices, and it has 34 indicators on the requirements, and it has a means of verification for these indicators. And the way that we envisage it to be is a traffic light system. So just to simplify it, so this traffic light system will help to decide to what degree the indicators are met. So it's a means of verification, and it's not a way to judge whether this intervention is good or bad. It's just to identify the gaps. So if I got you interested, you can be part of the process for formulating these standards. The team who are working on the standards has just took input from our Commission on Ecosystem Management, and they are taking feedback from other commissions. They will be drafting the standards and starting the consultation with the public between January and March. And then we will have a pilot application phase where we will take case studies on and test it against the standards. And then we will have another round of public consultations, and the final approval is expected to be in September. So we're hoping that during our next World Conservation Congress, we will have a launching for these standards. So if you'd like to engage with us, you can promote and take part of the consultations that will take place between January and June. Or you could present one of the pilot case studies for testing. Or you can also volunteer as a technical advisor or editor, or promote nature-based solutions. I'm not part of this team who is working on the standards, but I would be happy to connect you with my colleagues who are working on this. And you can find a lot of more information on our website and on our social media platforms. Thank you very much. Donc, il apparaît de manière très claire que la planète, ses ressources naturelles vitales pour l'homme, son intégrité sont à la croisée des chemins. Donc les solutions basées sur la nature devraient pouvoir remplacer une approche purement économiciste par un commensalisme de l'homme par rapport à la nature, et idéalement tendre vers une symbiose entre l'homme et la nature, avec un objectif clair que d'arriver à un système gagnant-gagnant pour la nature et pour des questions néanmoins se posent. Ces solutions qui paraissent donc idéales pour sauvegarder à la fois l'homme, la nature et ses ressources, c'est comment faire pour
pour essaimer et faire pérenniser la démarche dans les pays et également au niveau local. Quelle démarche adopter pour qu'il y ait une appropriation au niveau national et au niveau local? Et puis, quelle politique mettre en œuvre pour faire face à ces opérateurs court-termistes et qui forment un lobby énorme, que ce soit au niveau des grandes communautés comme la communauté européenne, ou également dans les pays, et même plus simplement au niveau local. Je vous remercie encore une fois, Madame Samar. Nous passons donc la parole au monsieur Adel Arriahi, qui est ingénieur au ministère chargé du plan, président de la commission des experts au sein de ce ministère. العلاقة بين مخاطر الكوارث الأخرية نظم الإيكولوجية في الأهوال. العلاقة أوكي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا الخبير المهندس عادل بدر رياحي، رئيس مجلس الخبراء في وزارة التخطيط العراقية. في البداية يسرني أن أنقل لكم تحيات الحكومة العراقية والشعب العراقي إلى الشعب التونسي والحكومة التونسية والمنظمين جميعا، مع تمنيات حكومتنا الوطنية لهذا الحدث الهام بالنجاح والتوصل إلى توصيات جادة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. قبل العرض اللي راح أقدمه راح أتكلم عن التجربة العراقية والإجراءات السريعة اللي اتخذناها في مجال الحد من الكوارث. أول نقطة، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد وكيل وزارة البيئة تتولى تنفيذ مضامين إطار استراتيجية صنداي للحد من مخاطر الكوارث والحوادث. النقطة الثانية، الحكومة العراقية استطاعت أن تستحدث مركز وطني لإدارة ملف الكوارث، ويجري العمل الآن على رفد هذا المركز بالكوادر المتخصصة. النقطة الثالثة، بدينا ننظم ندوات تعريفية لكافة العاملين في مؤسسات الدولة، وذلك من أجل تنمية وعيهم وأن يساهموا في المحافظة على البيئة العراقية. تم تكليف قسم عندنا متخصص في وزارة البيئة اللي يعنى في الإعلام الدولي والبيئة الدولية من إعداد دليل إرشادي متكامل يتضمن جميع الجهات العراقية المختصة في مجال الحد من الكوارث من أجل تأمين الاتصالات المباشرة في حالة حدوث الكوارث لا سامح الله تعالى. تم مفاتحة كذلك وزارة الخارجية العراقية لغرض مد الجسور مع المنظمات الدولية، ومن هذه المنظمات منظمة العمل الدولية ILO، منظمة الصحة العالمية WHO، منظمة العالمية للإرصاد الجوي OMM، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث UNITAR،
وكذلك مع برنامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل بناء القدرات العراقية وتأهيلهم لإدارة هذا الملف مستقبلا. الآن راح أبدي وياكم بالبرزنتيشن للحدث الأول اللي هو العلاقة بين مخاطر الكوارث المناخية وتداعياتها على التخطيط التنموي والوطني المحلي في العراق. العراق من خلال إذا تنظرون للخريطة مالته يتعرض لظروف جوية قاسية بالسنة تتمثل بموجات الحر الشديد في الصيف والأمطار الكثيفة في الشتاء والعواصف الرملية في الجنوب. موجات الحر يتباين الشعور بالحرارة من شخص لآخر بحسب العمر والجنس والحالة النفسية. إن الشعور بانخفاض درجة الحرارة أمر نسبي له تأثيره على الإنسان ونشاطه وعلى الحيوان والنبات. العواصف الترابية اللي زائر العراق المنطقة الجنوبية يكاد أن تنعدم الرؤية في تلك المناطق، وذلك لهذه المنطقة مشهورة بالتصحر. العواصف الترابية حسب تعريف دوائر الأنواء الجوية عندنا في العراق أنه عندما تنعدم مدى الرؤية عن 1600 متر مع سرعة الرياح 3 متر على الثانية. يعد التخطيط وسيلة الإدارة الناجحة لبلوغ أهدافها، فلا يمكن إنجاز أي عمل بنجاح دون وجود تخطيط مسبق له، سواء فيما يتعلق بتوفير الإمكانيات اللازمة أو الموارد البشرية القادرة على تنفيذ الخطة والانتقال من مرحلة لأخرى في الوقت المحدد لتلافي الآثار السلبية الناتجة عن التأخير في تنفيذ مراحل الخطة. هذا تكلمنا عليه. احنا الحكومة العراقية قامت باستحداث مركز متخصص يشمل التخطيط الوطني والمحلي على تأمين المبالغ اللازمة لمواجهة مخاطر الكوارث. اخوان تعرفون العراق مر بأزمة كبيرة بالتصدي للإرهاب، فانخفضت عندنا التخصيصات المالية. الآن نعمل ضمن مرحلة التعافي مع ارتفاع أسعار النفط، أمننا مبالغ كافية لتغطية النشاط هذا في الموازنة العراقية، تنمية القدرات مع الكوادر البشرية من خلال برنامج لبناء القدرات، راح نمد الجسور مع المنظمات الدولية المتخصصة لكي نطلب دعمها اللوجستي في هذا المجال. إشاعة برنامج وطني للتوعية بين صفوف المواطنين ولا سيما في مناطق الأهوار من أجل زيادة الوعي لديهم وتمكينهم من التقبل ثم التعافي من مخاطر الكوارث. تم إعداد وطني هذا تكلمنا عليه، القيام بممارسات ميدانية مبكرة للتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة. نعمل كحكومة عراقية على معالجة نقاط الضعف مع تقوية نقاط القوة. الثاني هذا الأول. ننتقل الآن إلى الحدث الثاني. أعتقد النظم أي هذا. النظم الأيكولوجية في الأهوار والمرونة الاجتماعية الأيكولوجية في العراق. هاي إخوان المناطق الجنوبية بالأهوار، ناس بسطاء حياتهم بسيطة، يعتمدون على غذائهم من صيد الأسماك وتربية الحيوانات في تلك المنطقة. الآن هذه المنطقة مهددة بخطر جفاف هذه الأهوار. تعرفون إخوان المصدر مال هاي المياه يجينا من الجداول والأنهار في إيران. لظروف سياسية الآن انقطعت هذه المياه، لكن الحكومة العراقية الآن تنسق في سبيل إطلاق تأمين كميات كافية من المياه لإعادة الحياة لهذه المناطق.
الأهوار هي مجموعة مسطحات مائية تقع بالضبط في جنوب العراق تشمل على المحافظات الجنوبية اللي هي العمارة والبصرة والناصرية وتشكل منطقة مثلثة وتتسع مساحة الأراضي المغطاة بالمياه وقت الفيضان. يعني عندنا في الشتاء في العراق تكثر الأمطار، والآن وزارة الموارد المائية تعمل على بناء سدود بسيطة من أجل حجز هذه المياه وإطلاقها عند الضرورة إلى هذه المناطق بدلا من أن تذهب بصورة مباشرة إلى الخليج العربي. أطلق العرب الأوائل على هذه المناطق اسم البطائح، يعني منطقة من بطحة ومنخفضة، وتشتهر فيها مادة القصب، قصب البردي. هذا البردي اللي شفته أول صورة يستخدمون سكان هذه المناطق في بناء منازلهم البسيطة، والآن لدينا معامل ومستثمرين قاموا أن يستفادوا من هذه المادة القصب في بناء المدارس والمراكز الصحية في مناطق الأهوار. بالمناسبة في يوم 17 يوليو تموز 2016 وافق اليونسكو على وضع الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية دولية، بالإضافة إلى المدن الأثرية القديمة الموجودة بالقرب منها مثل أور والوركاء. أور تقع في الناصرية والوركاء تقع في محافظة السماوة. تشمل تلك النظم الخدمات التالية: أولاً خدمات التنظيم كضبط جودة المياه. الآن عندنا مشكلة في البصرة يشكون من عدم جودة المياه، فالحكومة العراقية سارعت لمعالجة هذه بنصب محطات للتحلية، والحمد لله الآن المرحلة تجاوزناها، بالإضافة إلى تأمين خصوبة التربة ومكافحة الفيضانات والأمراض والأوبئة. والوزارات العراقية مشكورة من خلال جهودها في هذا المجال. خدمات التموين تشمل إمدادات الغذاء والمياه والوقود والأدوية. لا سامح الله عندنا احنا وزارة مختصة الآن هي وزارة الهجرة والمهجرين تتولى هذا الملف، في حالة الكوارث تتولى بتأمين هذه الحاجات الإنسانية لسكان تلك المناطق. خدمات الدعم تشمل محافظة على التنوع الوراثي وتوفير المساحات الكافية والملائمة لمعيشة النباتات والحيوانات حتى نمنع الهجرة للناس الساكنين والجماعات الحضرية في تلك المناطق، لازم نوفر لهم هذا الدعم. خدمات الثقافية تشمل تحقيق منافع الحس الجمالي والهندسي والهوية الثقافية لتلك المناطق. الآن وزارة التربية العراقية تبني مدارس، تقوم بحملات توعية في تلك المناطق من أجل زيادة الوعي لتلك الجماعات. إن النظام الإيكولوجي هو نظام وظيفي كامل ويحتوي على جميع أشكال الحيوان والنبات وتفاعلاتها مع بعضها البعض، ويضم كافة البيئة الطبيعية التي تمد الأحياء بكافة احتياجاتها من الغذاء، والتي تتأثر بالكائنات الحية التي تتعايش معها أثناء استغلال هذه الكائنات لها. كما أن النظم الأيكولوجية تمثل عملية التبادل المستمر والحتمي بين البيئة والجماعات البشرية، ويتم هذا التبادل من خلال المادة المتمثلة بعناصر الموجودات والطاقة المصاحبة لعملية التبادل، وأن تحولات هذه الطاقة هي من أهم احتياجات الجماعات البشرية على البقاء. وتسعى الحكومة العراقية ومن خلال الوزارات المختصة بشؤون الأهوار، ومنها وزارة البيئة العراقية ووزارة الموارد المائية ووزارة الثقافة والحكومات المحلية. بالمناسبة الآن عندنا حكومة مركزية في بغداد وحكومات محلية في جميع المحافظات، وجهود هذه في جنوب العراق تسعى إلى إعادة الحياة إلى مناطق الأهوار، وذلك من خلال تفعيل عملية المرونة الاجتماعية الأيكولوجية، وكذلك العمل على تأمين الحصص المائية لمناطق الأهوار. هاي تحدثنا عليها أخوان من خلال التنسيق مع الجانب الإيراني.
لغرض إطلاق الحصص المائية لهذه المناطق والعمل على تحسين الظروف المعاشية للجماعات البشرية التي تسكن مناطق الأهوار وتقديم خدمات التربية والتعليم لأبنائهم من أجل تحقيق استقرار فعلي في تلك المناطق، زيادة الوعي لسكان الأهوار ودعم العمل الجماعي لهم وتشجيعهم على الأعمال التطوعية، ثم تنمية قدرات الجماعات المحلية من سكنة الأهوار على التكيف والمقاومة والاستيعاب والتعافي من آثار الأخطار بطريقة محكمة وبكفاءة عالية. التنسيق مع البلدان المتقدمة والمنظمات الدولية، هذا هم اتطرقنا له من خلال وزارة الخارجية العراقية لغرض طلب دعمه اللوجستي لنا في هذا المجال. شكرا لإصغائكم، بس أنا عندي في التعقيب واحد أخوان. العراق تعرض إلى أزمة وكلكم تعرفون أخوان، فاستطاع أن يهزم الإرهاب. تعرضت البنية التحتية إلى آثار ترتقي إلى مستوى الكارثة. الآن مناطق منكوبة لم نستطع كحكومة عراقية لحد الآن، ونحن في مرحلة التعافي من إعادة السكان لتلك المناطق. لقد قاتل العراق نيابة عن الأمة العربية وعن العالم على أرض جرت، يعني إجوا ناس خارج القانون وصارت عمليات للأسف الشديد استهدفت البنية التحتية في العراق، حيث بلغت الخسائر قمنا بحصرها إحنا كجانب حكومي 90 تريليون دينار عراقي فقط للجانب الحكومي، وشملت البيئة، المدارس، البنية الثقافية، قطاع الصرف الصحي، المياه. الآن مع تحسن لحسن الحظ بلد العراق هو بلد الحضارات، وأعتقد قسم كبير من الأخوان هنا كملوا دراساتهم في العراق. الحمد لله الآن احنا في مرحلة التعافي، ونعاهدكم إن شاء الله على إزالة كافة الآثار السلبية اللي لحقت بالبنى التحتية في العراق، حيث نقوم حاليا بوضع قوانين صارمة للحد من التلوث البيئي في العراق. ما ننطي أي موافقة لأي مشروع إذا ما لم يكن له عدم وجود تأثير إلى على البيئة. هذا أول واحد. أمانة بغداد الآن تجري تدوير للنفايات بدلا من أن تعالج النفايات وتتخلص منها من خلال طرق بدائية. الآن معمليا استوردنا لتدوير هذه النفايات، وما أخفيكم الآن نستفاد من التجربة الكورية الجنوبية في هذا المجال، وتحويل المناطق بعد ما تدور النفايات إلى مناطق سياحية. وشكرا جزيلا للجميع على حسن الظن. Merci beaucoup, monsieur Riahi, qui nous a fait remarquer donc l'énorme challenge vécu par l'Irak, qui a été confronté durant ces dernières années à de grandes problématiques. Donc des problématiques de quasiment de guerre civile, mais également de terrorisme, et qui a su faire face après un moment et puis dans cette période de convalescence, à la fois donc aux problématiques de développement et également de conservation de la nature et des ressources naturelles. Il reste donc à confirmer ou à infirmer les possibilités de pérennisation de ces zones humides qui sont actuellement sous la menace de l'assèchement, qui sont tributaires d'arrivées d'eau de pays tiers,
Est-ce que l'Irak saura faire face dans le futur et malgré donc ces apports d'eau conditionnés par le bon vouloir du voisin iranien à la fixation de ces populations dans leur région, à leur bien-être également, mais également donc à la conservation du patrimoine et de l'héritage historique au niveau de cette zone, y compris donc le patrimoine immatériel, architectural et traditionnel de manière générale. Merci encore, c'est Adel. Je passe maintenant la parole à c'est Adel Abdouli de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral. Tafadhal, c'est Adel. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Adel Abdouli, je suis le coordinateur national du projet Résilience côtière, un projet mené par la PAL et avec bien sûr l'appui du PNU Tunisie. Donc voilà, je suis aujourd'hui ce matin parmi vous afin de vous présenter l'expérience de ce projet dans le cadre de la mise en place des quelques solutions basées ou bien fondées sur la nature. Donc, comme vous savez, ce CID 20 est intitulé « Des solutions basées sur la nature pour une meilleure réduction des risques de catastrophe ». Donc, je présente un peu ma démarche. D'abord, juste pour vous présenter en commençant par un peu le concept de notre projet Résilience pour les bonnes pratiques en relation avec les solutions fondées sur la nature. Donc, au début, il s'agit d'identifier et déployer par le projet, bien sûr, Résilience côtière, des solutions fondées sur la nature afin de s'adapter au changement climatique, favoriser la résilience côtière des écosystèmes naturels côtiers et marins et surtout réduire les risques de catastrophes. Deuxièmement, il faut mentionner que les solutions identifiées valorisent les services rendus par ces écosystèmes, préservés, restaurés, gérés ou bien modifiés. Les écosystèmes en bon état, bien sûr, permettent de réduire l'exposition aux risques naturels et les impacts d'événements extrêmes. Il est à signaler aussi que le projet travaille à prouver davantage et montrer les bénéfices des solutions fondées sur la nature. Et lorsqu'on dit bénéfices, c'est-à-dire à partir des études et à partir de travail basé sur le coût-bénéfice du service écosystémique, comment on arrive à convaincre les décideurs à trouver et à mettre en place et à déployer ces différents types de solutions afin d'éviter tout type de risque de catastrophe et surtout les risques climatiques. Et enfin, notre objectif dans le cadre de notre projet, c'est engager une réflexion stratégique intégrée pour les solutions fondées sur la nature. Donc, d'une manière générale, j'ai récapitulé un peu les différentes solutions fondées sur la nature déployées ou en cours par le projet Résilience. D'abord, je précise un peu que les solutions fondées sur la nature déployées par le projet sont réparties en trois catégorie de solutions fondées sur la nature, en concept associé et bien sûr en bonne pratique du projet, bien sûr dans le cadre de l'utilisation de ces solutions fondées sur la nature.
Concernant les catégories, nous avons la restauration des écosystèmes côtiers et marins, la gestion des écosystèmes, la protection et la préservation de ces écosystèmes et le changement climatique, les risques naturels et des différents aléas. Les concepts. Donc, concernant la restauration des écosystèmes, nous avons l'ingénierie écologique ou bien l'agricole. Donc là, il s'agit, concernant notre bonne pratique, c'est l'appui du projet, c'est l'appui du projet au profit du ministère de l'Agriculture et du ministère des Affaires locales et de l'Environnement pour la certification CIPAM, c'est le système ingénieux du patrimoine agricole mondial concernant le site Ghar Melh et Sid Al Mekki. En tout cas, après, je vais inviter l'ICEWI pour nous donner une idée plus détaillée sur le processus dynamique pour l'élaboration d'un dossier complet afin de le présenter, Inch'Allah, très bientôt au Conseil. Donc, concernant la gestion, la catégorie de la gestion des écosystèmes, nous avons deux types de concepts que nous avons utilisés dans notre projet. C'est d'abord la gestion intégrée des zones côtières, et qui est un outil fondamental et nécessaire et indispensable pour faire réussir tous les projets ou bien toutes les stratégies ou bien toutes les actions, les activités en relation avec le littoral et les écosystèmes. Donc, nous avons travaillé sur la stratégie nationale de la gestion intégrée des zones côtières en Tunisie. Et là, c'est une étude en cours qui est une étude très importante pour la Tunisie. Et ça, c'est une première. À partir de cette stratégie nationale de la gestion intégrée des zones côtières, nous aurions le plan d'aménagement côtier. Et là, nous allons élaborer deux types de PAC. Le PAC pour l'île de Djerba, qui est très vulnérable aux risques climatiques et surtout aux événements extrêmes et la submersion marine et autres. Et le deuxième site, c'est la frange littorale au nord de la Tunisie, entre Sid Al Mekki, Ghar Melh et Qalat Landlous. À partir de ces deux PAC, nous allons déduire ou bien élaborer des plans d'occupation de plage pour préserver et pour occuper d'une manière réglementaire et scientifique les plages qui sont très vulnérables. Donc, aussi à partir de la stratégie nationale GISC, nous allons aboutir à un plan d'action pour la gestion intégrée du trait de côte, vu et à cause des risques climatiques. Il y a une évolution dans un sens ou bien dans un autre du trait de côte dû à l'érosion marine, dû à la submersion marine et d'autres aléas. Donc nous allons suivre davantage et à partir de la technologie innovante et à partir des fonds cartographiques très poussés comme le LIDAR, nous allons suivre de près l'évolution du trait de côte tunisien. Aussi, nous sommes en train de travailler sur le schéma directeur d'aménagement des zones sensibles de l'île de Djerba. Et aussi, c'est un document d'aménagement et de planification très important, puisque nous allons prendre en considération pour ce ZAS les risques climatiques et les différents aléas dus au changement climatique. Donc, tout ça, ça concerne le concept qui est la gestion intégrée des zones côtières. Concernant la gestion intégrée des ressources en eau, nous avons travaillé sur les potentialités d'irrigation des cultures, l'arrosage des espaces verts et la recharge des nappes par les eaux dessalées et usées traitées. Et tout ça, bien sûr, nous avons notre objectif comme projet, c'est appuyer, renforcer nos partenaires
Autre que la PAL, bien sûr, c'est là on travaille en concertation et dans le cadre d'une approche, bien sûr, participative avec les différents intervenants et les ONG. Nous sommes en train d'appuyer le ministère d'Agriculture et plus précisément le ministère de la Santé et la Direction générale des ressources en eau. Donc, aussi dans le cadre de la gestion des écosystèmes comme solution fondée sur la nature, nous sommes en train de trouver d'autres moyens, des nouveaux moyens et des nouveaux outils pour l'appui de tout ce qui est réglementation et institutionnelle, et aussi trouver d'autres solutions scientifiques pour une meilleure gestion du domaine public maritime, avec la prise en compte, bien sûr, des risques climatiques et des différents risques de catastrophes. Donc aussi, il y a le renforcement du CATU. Concernant la deuxième catégorie de solutions fondées sur la nature proposées et utilisées par le projet Résilience Côtière, c'est la protection et la préservation des écosystèmes. Il s'agit bien d'abord des aires protégées. Donc en Tunisie, d'une manière générale, on travaille depuis un bon moment sur la protection et la préservation des aires protégées marines et côtières, que ce soit les zones humides, que ce soit les aires marines protégées, que ce soit autres. Et dans le cadre de notre projet, on travaille bien sur les zones humides sensibles et fragiles au niveau de Gerba et Ghar el-Melah, puisque d'abord, Ghar el-Melah et Gerba, c'est un écosystème très, très fragile en totalité. Et plus précisément, on travaille sur tout ce qui est la flèche de Ras el-Mal, sur l'île al-Hadriya et sur les plages très, très menacées et vulnérables. Donc, aussi, il y a la reconstitution des dunes bordières en utilisant des solutions très souples. Il s'agit des ganivelles et des palmivelles. Donc, ces solutions sont très, très efficaces et ils servent pratiquement à une adaptation aux effets de l'élévation du niveau de la mer. Pour la catégorie changement climatique et risque naturel, et plus précisément l'adaptation qui est fondée sur les écosystèmes et la réduction des risques fondés sur les écosystèmes, il y a une étude très, très importante qui est en cours, et à partir de cette étude, nous allons en fait ressortir pas mal de recommandations en relation avec la mise en place des solutions. Et cette étude concerne l'impact de l'élévation du niveau de la mer sur les ressources en eau côtière pour les deux sites du projet Gerba et Ghar el-Melah. Aussi, le projet est en train de mettre en place un plan d'intervention d'urgence face aux effets négatifs du changement climatique et surtout la submersion, l'inondation urbaine et autres. C'est un plan d'évacuation, c'est un plan stratégique pour faire face aux risques de catastrophe. Il y a le système aussi, on travaille actuellement avec l'Institut national de la météo pour la mise en place d'un système d'alerte précoce face aux effets des extrêmes climatiques et le système d'information d'aide à la décision. En tout cas, avec le temps, je vais un peu développer quelques exemples de ces bonnes pratiques du projet en relation avec les solutions fondées sur la nature. Donc, voilà, pour anticiper les effets et les risques liés au changement climatique, juste un petit aperçu pour le CATU, qui est un outil existant d'ailleurs, mais on travaille sur son appui, donc il définissant, réglementant les usages et les aménagements sur le domaine public maritime et la zone de servitude. Donc ces mesures réglementaires
permettant de réduire les risques liés au changement climatique comme l'érosion et la submersion. Les outils à venir, comme je viens de le mentionner maintenant, la stratégie GISC, qui prennent bien sûr en considération, les changements climatiques, les plans d'action et la gestion intégrée du trait haute et autres, et l'OSDAS. Donc, l'adaptation et la réduction des risques naturels fondés sur les écosystèmes. Je commence par le rôle des aires protégées. Comme j'ai mentionné, pour les aires marines protégées, côtières protégées. Donc, la Tunisie travaille sur 12 aires marines et côtières protégées. Actuellement, je pense qu'on travaille sur 6, mais il y a un programme de l'édification de 12 AMCP. Donc, parmi, comme vous savez, ces aires marines protégées contribuent à protéger les populations, les écosystèmes contre les événements climatiques extrêmes et réduire leur vulnérabilité à ces risques. Ils favorisent la résilience des écosystèmes. Donc, le deuxième cas, c'est les zones humides littorales. Comme vous savez tous, ils jouent un rôle très, très important pour la préservation du patrimoine naturel et le patrimoine naturel et socio-économique, et également leur fonction du bassin d'orage, c'est-à-dire la lutte contre les inondations. Et pour notre cas du projet, comme j'ai dit, on travaille sur la lagune de Ghar El Melah et la petite lagune de Sidal El Maki et les différentes zones humides au niveau de Djerba. Pour les solutions douces pour faire face, concernant les solutions douces pour faire face à l'érosion, comme j'ai mentionné dans le tableau récapitulatif, il s'agit de la reconstitution des dunes bordières par l'outil, comme vous voyez ici, les ganivelles, qui en fait reconstituent les dunes qui est un écosystème vivant et très très important pour lutter contre l'élévation du niveau de la mer, l'érosion, la submersion. Et c'est un habitat très important pour la biodiversité écologique. Donc, justement, pour le cas de notre projet, nous avons dernièrement déployé, concernant les ganivelles, des ganivelles pour un linéaire de 1 km à Sidi El Hacheni, à Djerba, qui est un site très, très vulnérable à l'érosion marine. Donc, juste un petit aperçu sur le rôle de ces solutions basées sur la nature, c'est-à-dire les ganivelles. Les ganivelles, s'inspirer de la nature pour préserver le littoral, protéger des banquettes de posidonies mortes, sensibiliser les collectivités locales. Ça, c'est un peu le rôle de ces, d'une manière générale, des solutions douces. Et là, vous voyez aussi, concernant la photo qui est à droite, c'est une autre manière basée sur la nature pour préserver le littoral. En fait, il s'agit bien des banquettes de posidonies mortes qui sont là en gris noir. Donc, c'est là une protection contre l'érosion marine, donc basée sur les posidonies mortes. Et à gauche, les ganivelles qui constituent bien la dune bordière. Donc, je retourne un peu sur ce CIPAM. Donc, c'est pratiquement les systèmes. Il s'agit bien des systèmes ingénieux, du patrimoine agricole mondial. Et afin de sauvegarder et de promouvoir ces systèmes remarquables comme éléments d'un patrimoine agriculturel mondial,
La FAO a pris en 2002 une initiative destinée à assurer la conservation et une gestion évolutive des CIPAM. Il s'agit bien d'une reconnaissance des sites au niveau national et international. Cette initiative de l'FAO cherche à développer une approche intégrée qui associe une agriculture durable et le développement rural. Il y a pas mal d'objectifs du CIPAM et vous pouvez bien sûr consulter l'Internet pour voir ça. Et je vais inviter notre collègue Si Hakim pour détailler davantage. Il s'agit bien sûr de l'établissement des bases d'une reconnaissance globale et nationale des sites, la conservation dynamique et la gestion durable des systèmes de patrimoine agricole et des biodiversité. Il s'agit bien aussi de l'amélioration des revenus, du bien-être et des perspectives d'avenir des communautés locales, particulièrement les jeunes générations, et cherchent à renforcer leur identité et à développer leur fierté par rapport à leur propre patrimoine agricole, la promotion d'une gestion de ressources naturelles validées du point de vue environnemental et l'obtention d'une reconnaissance internationale permettant d'assurer la pérennité du soutien accordé à ces systèmes remarquables. Pour notre cas et pour le projet, l'intervention et la contribution de notre projet par rapport à ces CIPAM, c'est l'appui du projet au processus de certification relative à ces systèmes ingénieux du patrimoine au niveau du site Ghar el-Melah, Sidi Ali el-Makki. Il s'agit bien de l'appui de ces systèmes pour Ghar el-Melah par l'élaboration d'un dossier CIPAM, principalement Ramli ou Al-Gataya, qui est un patrimoine agricole et culturel basé sur un système ingénieux très fin et très efficace, dont, si Hakim va vous en parler davantage, donc le dossier normalement a été envoyé à la commission nationale, la commission internationale CIPAM, donc, et le responsable de cette commission nationale CIPAM en Tunisie va défendre sur place ce dossier qui a été appuyé par le projet Résilience. Pour moi, merci beaucoup pour votre attention et j'invite Si Hakim de donner un petit mot sur ce CIPAM. Merci. Je crois que je peux parler dans le micro. Donc, sans tarder, parce que le temps un peu presse, bon, je suis Issaoui Abdel Hakim, ingénieur agronome, ministère des Affaires locales et de l'Environnement. Donc, je vais juste parler, donc, mon intervention, c'est à propos de la vulnérabilité et les menaces qui pèsent sur certains écosystèmes typiques, tels que le CIPAM, système ingénieux du patrimoine agricole mondial. Aussi, notre collègue de l'Irak, il a parlé de l'Ahwar, qui est inscrit dans le patrimoine mondial. Le CIPAM va être inscrit dans à l'échelle mondiale, et c'est une certification, une reconnaissance mondiale, et cette reconnaissance mondiale, bien sûr, contribue donc à la préservation de ces sites un peu typiques, parce que réellement, je dis, la dégradation et même la disparition de ces sites est une catastrophe en soi-même, parce que il n'y a pas uniquement la perte de la biodiversité ou autre, mais aussi il y a la perte d'un patrimoine, d'un héritage. Donc, c'est important de parler. Parce que, vraiment, comme les plantes et les races animales, certains écosystèmes et agro-systèmes, donc, et même des villages dans le monde, sont également menacés de disparition. Donc, et ça laisse vraiment un grand vide dans le patrimoine paysager, naturel et culturel. Je reviens au CIPAM. Donc, comme il a dit notre collègue, c'est une reconnaissance mondiale. Le programme a été initié par la FAO en 2002. Et actuellement, c'est un programme. Il y a dans le monde de plus que 70 CIPAM dans le monde. Donc, ces sites là où on pratique l'agriculture écologique,
Et l'agriculture écologique, c'est parmi les solutions fondées sur la nature parce que ce sont des pratiques qui respectent l'environnement. Je parle à propos des critères de l'inscription du CIPAM. Ce sont 5 critères. Maintenant, en bref, c'est la richesse en biodiversité, la richesse en savoir-faire local. Il y a de l'ingéniosité de la population locale. L'aspect paysager, donc c'est un beau paysage. L'aspect organisationnel et la sécurité alimentaire, ce qui est important pour la population locale. Donc, c'est important de penser à mener même des stratégies et des plans d'action pour mieux gérer ces territoires typiques et vraiment non seulement les CIPAM et les autres, mais en même temps, il y a des sites tels que les zones humides qui sont parfois évitent certains risques, notamment au niveau des villes, parce que la perte des zones humides, la perte des lacs, la perte de l'agriculture urbaine et périurbaine, donc ces choses-là pourraient, disons, causer des problèmes, notamment des inondations. Voilà, c'est en bref mon intervention à propos de ces sites typiques qu'on doit les conserver. Et merci. Merci beaucoup, c'est Abdelhakim. Nous avons un petit quart d'heure pour discuter donc, par rapport aux solutions basées sur la nature et également énoncer des recommandations qui devraient jaillir à la fois de ces réflexions et également de ces présentations pour une mise en œuvre concrète, efficiente et durable de ces solutions basées sur la nature et puis sur les possibilités de coopération, etc. etc. Donc, vous aborderez, s'il vous plaît, dans vos discussions, des aspects liés à la gouvernance, des aspects liés au... Donc à la doctrine même du CIPAM, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ça pourra vous être expliqué par Madame Taha. Et également sur les études de cas, et puis s'il y a des personnes qui peuvent nous citer d'autres études de cas similaires et qui peuvent s'inscrire dans ces solutions basées sur la nature. Et puis on se gardera 5 à 6 minutes dans ce petit quart d'heure pour énoncer des recommandations qui vont jaillir de ce side event. Je demanderai aux personnes donc, soit de poser des questions, soit de faire des interventions très concises, très précises et très courtes pour qu'on puisse aller directement à l'essentiel. Et merci. S'il y a des questions, oui, vous vous présentez. Je suis Madame Najwa Bouraoui, la présidente de l'Association pour la protection de l'environnement et développement durable de Bizerte. Je voudrais poser une question à Lassi Hakim. Quel type d'agriculture écologique concernant le CIPAM? À ma connaissance, il y a des terres qui sont encerclées dans la mer, qui se trouvent dans la mer, et qui font de l'agriculture écologique. Et en plus, il y a une eau sous cette terre, il y a une eau qui est douce, bien que la terre est encerclée par la mer. Je voudrais savoir, est-ce que ça concerne le CIPAM, ça intéresse cette zone de terre au niveau de Ras El Mela, je crois, et de Sidi Ali El Makki, ou bien autre site. Et une autre question pour la présentation qui précède celle de Manassi Hakim, le présentateur a parlé d'une alimentation des nappes à travers des eaux usées. Et on sait que les eaux usées en Tunisie s'arrêtent au traitement secondaire seulement. Est-ce qu'on pourrait alimenter une nappe phréatique à travers par des eaux usées qui sont traitées uniquement secondairement? Merci. Hakim, très rapidement, par rapport à la cité de l'Ukraine.
Oui, pour Ghar el-Melh, et même pour les autres sites, on a des sites Djebba et Kisra qui sont disons, en cours. Donc, les pratiques, le CIPAM, ce n'est pas uniquement donc, c'est l'agriculture, c'est l'agriculture. Il y a un aspect culturel. Mais à propos des pratiques agroécologiques, donc, il y a quand même la valorisation des variétés locales, il y a l'utilisation, il y a moins d'intrants, l'utilisation, c'est une agriculture écologique. Mais pour Ghar el-Melh, l'ingéniosité, c'est juste pour la valorisation de cette lame d'eau pour les cultures, notamment de pommes de terre. Donc, c'est juste que ce soit pour Ghar el-Melh ou pour d'autres, bon, les pratiques agroécologique, ça, c'est assez bon, compliqué, mais en utilisant énormément de facteurs pour la production. C'est une agriculture biodynamique, donc c'est moins d'intrants et la valorisation du potentiel local. Merci voilà. Beaucoup, Cheikh Hakim. Cheikh Adel. Concernant l'alimentation de la nappe par les eaux usées, en tout cas, l'étude elle est en cours. Donc, nous sommes en train de voir la possibilité en collaboration, bien sûr, avec le ministère de la Santé et l'Agriculture. Et on essaye de voir la possibilité d'alimenter la nappe par les eaux usées. Possible que hein? Oui. Donc, voilà. Une autre question? Oui. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Moussa Sall du Centre écologique à Dakar. Je voulais poser une question à Madame de Luyssen. Bien sûr, je connais à peu près le projet EPIC à travers les collègues de Luyssen à Dakar. Mais par rapport aux solutions douces que vous avez présentées, vous avez dit à un certain moment que ce sont des investissements lourds. Alors là, c'est ce qui m'interpelle un peu, si les solutions douces constituent des investissements lourds, est-ce qu'elles seront compétitives par rapport aux autres solutions qu'on peut qualifier de dures? Merci. Merci beaucoup. Madame Taher? So I'm not sure if I got all of the question from the translation, but the investments that was made in EPIC project, that's the project that we were referring to, right? The investment that was made in science, in documenting the scientific evidence in the practice. So we worked with the local communities to reduce their vulnerabilities to climate change impacts, negative impacts, and we worked to inform the policies. And the approach that we took is an adaptive management approach where we had a participatory process. We worked with the local communities all the way from assessing the vulnerabilities, setting the priorities, and then deciding on the best practices that should be implemented. So this is the way that we envisage the change to happen, and I think giving ownership of the actions to the local communities ensures the sustainability of the actions that you are implementing. I hope that I answered. Well, I think I got it. I got the translation. The question is if the nature-based solutions are expensive, how can we implement them in comparison with classical solution, which is... Okay. So the nature-based solutions that we are proposing are, as I said, it's a no-regret investment. It's all most of the time it's not expensive solutions. It's investing in nature, and when you invest in nature, you're not just investing for the sake of disaster risk management. You're also investing for the livelihoods of the people. You're also investing
for the nature itself and for the ecosystem services that it provides. So there are multiple benefits. And the projects that we are working on in Relief and in EPIC are trying to document how effective the investment is in nature-based solutions. And when we talk about nature-based solutions, we don't say that we're abandoning conventional civil engineering. We're working with civil engineers, but we are also directing them towards nature-based solutions. So I am from the studies, I can't give you figures of how much the investment will cost, but we are getting very positive feedback on the payback period. Thank you. Another question? Vous avez un micro, je crois. Ikram Talwa pour WFP Tunisie. J'ai une question qui est un peu plus transversale et qui concerne plutôt l'agriculture urbaine, justement les moyens qui sont mis en œuvre, notamment en Tunisie et peut-être autour des cas qu'on a présentés pour les petits agriculteurs qui, eux, cultivent déjà ou parfois ont du bétail, afin de réduire finalement les risques et jouer justement avec cette capacité-là qui existe. Peut apporter une réponse. Adel. C'était pas le thème spécifique, mais comme c'était de l'écosystème, qu'on parlait d'écosystème, s'il y a des gens qui ont des projets dans les zones urbaines à destination de des petits agriculteurs, je trouve, enfin moi ça m'intéresse en tout cas. C'est beau pas que là. L'agriculture urbaine, vous voulez parler de l'agriculture urbaine. Moi, je voulais faire une intervention dans le même sens que mademoiselle, voilà madame. Quand on parle de solutions fondées sur la nature, on dirait que l'esprit de tout le monde va vers les zones rurales, les zones humides, les écosystèmes forestiers, les zones côtières, etc. Or, les pertes et dommages enregistrés par les catastrophes naturelles ou induites par l'homme, sont dans les villes et autour des villes. C'est là où se concentre le maximum des populations. Et surtout les périphéries des villes où il y a les communautés les plus vulnérables. Donc à mon sens, s'il y a une protection à faire, où l'enjeu des solutions basées ou fondées sur la nature, c'est autour et dans les périphéries des villes où les écosystèmes naturels sont en danger, c'est-à-dire où il y a les constructions anarchiques. En Tunisie, par exemple, je peux vous donner des exemples de décalage entre tout ce qui est donné par les études, que ce soit des experts ou les études, disons, à travers les agences d'exécution, etc. Qu'est-ce qu'on se retrouve avec un ministère des Affaires locales et de l'Environnement qui veut protéger, par exemple, une zone humide autour de la ville de Tunis? Le ministère de l'équipement qui veut vraiment, d'un autre côté, qui veut construire autour des berges de cette zone humide, une contradiction parfaite, ou pas de coordination, une route qui va traverser un parc naturel à Rades, etc. Donc, au-delà des résultats des études, au-delà de tout ce que les experts peuvent nous dire, l'absence d'une cohérence des programmes et d'une coordination et de synergie entre les intervenants et les acteurs de l'exécutif nous entraîne toujours vers des pertes d'écosystèmes. Et je ne sais pas, c'est-à-dire, on peut faire tout ce qu'on peut conceptualiser, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que peut nous dire l'UICN, etc., etc., mais sur le terrain, on se retrouve avec un décalage énorme entre ce qui est dit sur le plan scientifique et expertise et la réalité de terrain. Donc, comment faire pour que ces agences ou ces bailleurs de fonds aillent beaucoup plus loin dans l'influence des politiques? Quels sont les trucs à suivre, d'autres exemples où ça n'a pas marché?
on se donne 3 minutes ou 4 minutes pour avoir 3 réglementations pertinentes et prégnantes qui peuvent ressortir de ce side event. Des recommandations. Moi, ma recommandation, elle est simple, c'est ce que je viens de dire. Une plus grande cohérence dans les programmes et une plus grande coordination et synergie entre les acteurs intervenants, que ce soit à l'échelle centrale ou locale. C'est tout. Okay, d'autres recommandations ? Oui. C'est pas une recommandation, moi je voulais juste répondre à monsieur. Je suis madame Brahic, je représente l'Algérie. Et je travaille au ministère des Travaux publics et des Transports. En Algérie, nous disposons d'instruments, de ce qu'on appelle les instruments de l'urbanisme, tels que les PDO, les plans d'aménagement d'urbanisme, tels que les PAO, tels que les POS, et qui sont imposables. C'est-à-dire que c'est des documents réglementaires qui sont imposables aux tiers. Donc avant toute construction, on ne peut pas construire n'importe où, même si on ne peut pas arrêter le développement économique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des conclusions, des recommandations, solutions basées sur la nature, démarche pionnière, ça vient à peine de commencer, c'est très intéressant comme approche, c'est de la GIZC ou de la gestion intégrée avec des solutions à la clé, des solutions douces. L'AFO, Anna Ara. هناك توصيات جادة منها ضرورة تكليف طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه من أخذ عناوين بحثية لمشاكل هاي اللي تطرح، لا سيما الأخت من الجزائر طرحت موضوع، فبدلا ما تكون العناوين اعتيادية ناخذ تحديات معاصرة، مثلا التصحر وسبل معالجته، الجفاف، كيفية التغلب على الشحة المائية. هذه خطوة. الثانية، هناك عناوين بحثية داخل الوزارات، يعني مثلا احنا في العراق في وزارة التخطيط العراقية عندنا حوالي 250 عنوان بحثي، فهذا يجب عليه أن سنويا على الأقل أن يقدم بحث علمي متكامل، لأن هو عنوانه أصلاً باحث علمي. إحنا كمجلس خبراء في وزارة التخطيط سوينا إحصائية لهم وكلفناهم بعناوين بحثية. العناوين البحثية فرضاً هم هسه عندي إحصائية 250 باحث، فقمت أسوي فرق بيناتهم تنافسية، نفس العنوان البحثي أنطيه إلى مجموعات A B C وأخلق بيناتهم منافسة في سبيل أن يوصلون إلى توصيات جادة لمعالجة هذه المشاكل. شكرا جزيلا. Une dernière recommandation, sinon on va clôturer ce side event. Oui, non. Ok. Il y a une petite annonce. Oui, pardon. Dernière intervention. Donc, comme c'est une, donc c'est Ben Belgassem Hatem. Ben Belgassem Hatem. I work for the Ministry of Local Affairs and Environment. As my question will be addressed to my colleague from IUCN, I will present it in English. So, as you know, the concept of nature-based solution was adopted during the last Congress International for Nature held in Hawaii in 2016, and it was one of the priority of the program of work. So the concept was during this period was to work with the national contribution determinant from climate change. For example, for our case in Tunisia, we worked with the IUCN Malaga from Spain, and we are ongoing
to adopt or to look for two projects, but in relation not with disaster risk reduction, in relation with ecosystem forest, as my colleague Abubakar said, and the other in relation with agriculture, agro system. So maybe my question is, how can harmonize this issue or these two position in order to include disaster risk reduction in our approach? Because, for example, for us, we have followed the concept of how can look for project in direct relation with climate change, the contribution, national contribution determined. And thank you. Merci beaucoup. Une petite réponse et puis on clôture. I think the key in finding the links between your projects and disaster risk reduction is looking into the ecosystem services that the ecosystems that you're working in are providing. So if you're working in a wetland, then flood is the risk that you're managing. If you're working on mangroves, then coastal...